Bonjour les rebelles, bienvenue. Nous sommes de retour pour notre première vidéo du jour pour nous soutenir. Laissez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Mes frères et sœurs, regardez ça. Et dites-moi ce qui se passe ici. On nous dit que récemment, Davido a donné une voiture à son assistant personnel. Ce monsieur était tellement en joie qu'il a décidé d'aller présenter sa voiture à son village. Et apparemment, ce serait sur le chemin qu'il aurait fait cet accident que vous voyez là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Hey! L'Afrique. L'Afrique. Est-ce que ça, c'est un accident naturel? Ça, c'est la grande question que les gens se posent sur les réseaux sociaux. Mais on se souvient d'abord qu'il était très en joie d'avoir reçu ce cadeau. Et comme on témoigne cette image que vous voyez à l'écran, on voit David lui-même. Voilà. Et le monsieur couché sur sa voiture. C'est étrange, hein? Il allait se coucher sur sa voiture, mais manifestant sa joie, sans savoir que quelques temps plus tard, il aurait un accident avec la même voiture. Quand vous regardez tout ça, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est simple? Est-ce que vous pensez que c'est un accident naturel? Ou bien c'est l'œuvre de ses ennemis. Regardez. Regardez bien. On dit le cas, il a eu la voiture, il était en joie, c'était publié sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu. Les gens disent, oh, bravo, Davido, vraiment, tu es un bon gars, tu as offert une voiture à ce monsieur. C'est un bonheur pour lui. Mais regardez comment ce bonheur-là s'est transformé en malheur. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu. Beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais vraiment vous dire certaines choses. Écoutez, mes frères et sœurs, écoutez très bien. Surtout quand vous êtes africains. En Afrique, la majorité des gens ne sont pas sincères avec vous. Vous marchez avec des gens, vous dites que vous êtes frères, mais ce sont vos ennemis, mais vous ne savez pas. Quand vous avez un cadeau ou bien une chose qui vous donne beaucoup de joie, ces gens animés de l'esprit de sorcellerie automatiquement chercheront à éteindre votre joie parce qu'ils aiment bien voir les gens souffrir. Voir le peuple africain dans la souffrance, ça leur fait du bien. Ils se nourrissent du malheur des autres. Mettons le cas, il a eu ça. Une voiture, ça fait sa joie. Il dit qu'il va le présenter cette voiture-là aux gens de son village. Il était même sur la route. Et c'est exactement sur la route là-même qu'on dit que cet accident est survenu. Est-ce que c'est vrai tout ce que les gens racontent? Parce que c'est ce que les gens racontent. Si c'est vrai qu'il allait vraiment dans son village pour faire la présentation de la voiture, c'est que vraiment il y a un problème avec son village. Vous voyez, il y a un problème avec son village. Parce que on ne peut pas comprendre qu'on va vous dire bonjour et c'est là un problème vous arrive. C'est comme moi, un jour, j'allais rendre visite à quelqu'un, une personne qui est gens de mon village. Et c'est là un malheur m'est arrivé sur le chemin. Après les études spirituelles, j'ai découvert que cette personne que j'allais voir là, c'était une personne qui était en complot avec mes ennemis pour me tuer. C'est comme un de mes ennemis qui se trouve à un point A m'a donné un cadeau. Maintenant, moi, j'allais au point B pour dire, pour montrer ce cadeau-là à d'autres gens là-bas.
Alors que ceux qui se trouvaient au point B là, ce sont des sorciers. Ceux aussi qui avaient le cadeau aussi et dans le même club. Maintenant, ils ont fait juste un complot pour que le malheur puisse arriver. Et c'était ça. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, dans la vie, faites très attention. Très, très attention quand des trucs pareils vous arrivent. C'est-à-dire que ce monsieur-là, si lui n'est pas un sorcier, qu'il n'a rien à se reprocher, c'est-à-dire que dès qu'il va se lever de cet accident, il doit chercher à savoir d'où lui est venu ce cadeau. Est-ce que là d'où lui est venu ce cadeau-là, est-ce qu'il y a de mauvais gens qui ont comploté qui ont comploté avec ceux que lui il allait voir au village afin que ça se passe ainsi? Parce que les sorciers n'agissent pas seuls, ils agissent en bouillie, en groupe. C'est-à-dire qu'il y a le groupe de sorciers qui vous donne le cadeau. Maintenant, il y a l'autre groupe de sorciers qui se trouve dans le village qui vous attire à venir présenter le cadeau. Vous voyez? Et ces deux groupes de sorciers-là travaillent sur le dossier. Parce que leur objectif, c'est de vous sacrifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette terre-là, sur cette terre-là, quelqu'un peut vous offrir un cadeau pour que ce cadeau-là soit l'objet de votre mort. Je ne dis pas que David l'a fait parce qu'il s'attendait à ce que ça se passe ici, mais je suis en train de dire que dans une telle situation, on doit analyser tout le monde. Spirituellement parlant, on doit vraiment analyser tout le monde. Parfois, nous avons des ennemis et on ne comprend pas. Et vos ennemis peuvent vous offrir des cadeaux. Et oui, un ennemi peut t'offrir un cadeau. Mais lui, il est ton ennemi. Pourquoi est-ce qu'il va venir t'offrir un cadeau? S'il veut t'offrir un cadeau, ce n'est pas pour rien. C'est comme toi, une personne qui ne t'aime pas, qui t'a monté par A plus B, qui ne t'aime pas, un pour matin, cette personne t'offre un cadeau. Ou te donne de la nourriture. Vas-tu manger? Vas-tu manger cette nourriture? Maintenant, si tu acceptes de manger cette nourriture et que quelque chose de bizarre t'arrive, tu vas voir que quelqu'un qui se trouve peut-être dans ton village va t'appeler pour te dire: Ah, mon ami, j'ai fait un rêve sur toi, tu as mangé quelque chose hier, ça ne tenait pas bien chez toi. Est-ce que tu es sûr que ça va? La personne qui te parle ainsi, que t'as fait, qui dit qu'elle a fait rêve, la personne qui te parle ainsi là, cette personne-là, c'est une sorcière en complicité avec ceux qui t'ont donné la nourriture. Les deux groupes travaillaient des deux côtés parce qu'ils te cherchaient, toi. C'est bien vraiment réveiller votre esprit là-dessus. J'espère que vous avez compris un peu ça. Et c'est pourquoi il est préférable de ne pas revenir en arrière après qu'on ait réussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu as lutté en Afrique. Les gens t'ont persécuté. Ils t'ont insulté. D'autres même t'ont dit que tu es maudit. Et ces gens-là sont restés au quartier. Toi, tu as voyagé, tu es allé en Europe. Tu as lutté, tu as réussi. N'aie même pas l'idée, hein, de revenir en Afrique pour leur montrer qui tu es devenu aujourd'hui. Ne fais surtout pas ça. Tu es arrivé en Europe. Les choses ont commencé à bien fonctionner pour toi. Continue ton chemin. Continue ta route. Ne reviens pas en arrière pour présenter quoi que ce soit à qui que ce soit. Ou ne reviens pas en arrière pour prouver à qui que ce soit que tu es devenu quelqu'un. Ça ne sert à rien. Tu ne ferais qu'augmenter leur colère contre toi. Parce que s'ils ne t'ont pas aimé pendant que tu étais avec eux, ils ne te remercieront jamais pendant que tu es parti. Ça, c'est clair. Les haines seront toujours contre toi. Ne revenez plus en arrière. Regardez devant. Tu as quitté l'Afrique, tu es allé en Europe. Si tu arrives à Paris, cherche à aller aux États-Unis. Si tu arrives aux États-Unis, si que tu as trouvé mieux, cherche à avancer. Ne regarde pas en arrière. Avance seulement. Parce que ceux qui se trouvent derrière, là, à qui tu veux faire du bien là, ce sont tes ennemis et ils cherchent à te voir tomber. Est-ce que vous m'avez entendu? Là, vous avez compris. N'exposez pas vos biens.
Si vous avez reçu un bien, c'est joli, ça vous plaît tellement. Dans la joie, tellement la joie est trop, vous voulez montrer ça à tout le monde. S'il vous plaît, apprenez à vous contenir quand vous recevez une joie, un bonheur, une bonne nouvelle. Parce que ce sont des moments très intéressants que le diable utilise pour pouvoir détruire votre joie. Vous devez savoir que le diable, il est réel, il existe et voici son travail. Son travail, c'est de faire en sorte que votre joie se transforme en pleurs. Donc, quand vous trouvez la joie comme ça, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, il cherchera à aller éteindre cette joie. Et il a des démons faits pour ça. S'ils font tout ça ne marche pas, ils vont envoyer quelqu'un, un être humain, qui va venir faire quelque chose sur vous, faire quelque chose autour de vous. En tout cas, détruire votre joie. Et faites très attention. En général, les gens ont des pères ou des mères. En Afrique, il y a les pères et les mères qui sont dans la sorcellerie. Si vous n'êtes pas dans la sorcellerie, ces gens-là, ils vont vous voir comme des ennemis. Mais physiquement, ils font semblant comme si vous êtes leur fils préféré. Et je vous assure, c'est comme ça se passe. Là, si Dieu vous montre par A plus B que ces gens ne vous aiment pas spirituellement parlant, il faut les éviter. Faites ce qu'il y a à faire parce que ce sont vos parents, mais que votre cœur ne s'attache pas. Parce que un père sorcier, c'est une autre personne. Une mère sorcière est devenue une autre personne. Je vous assure, hein, si vous ne voulez pas mourir jeune, faites ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas mourir avant votre temps, faites ce que je vous dis. Quand vous recevez un cadeau d'une personne, allez prier pour demander à Dieu, est-ce que Dieu approuve ce cadeau? Dieu va vous dire ce que lui ressent. Si Dieu dit non, que derrière ce cadeau-là, il y a quelque chose de grave qu'il prépare. Ne vous réjouissez plus. Restez sur vos gardes. Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Que cette histoire-là vous amène à comprendre beaucoup de choses. Nous sommes en Afrique. Arrêtez d'aller dans vos villages pour leur montrer qui vous êtes devenu. Arrêtez d'aller leur montrer que vous avez réussi si vous n'êtes pas protégé spirituellement. Même si vous êtes un vrai chrétien zélé, puissant, demandez à Dieu, n'allez pas là. Je ne vous conseille même pas même d'aller là-bas. Si vous êtes heureux que tout va bien chez vous, continuez dans votre bonheur. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. C'est un peu comme ce que le Seigneur dit à ses disciples. Celui qui veut le suivre ne doit pas regarder en arrière. Il doit regarder devant et marcher avec lui pour aller seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, faites attention. On a entendu plein de révélations, plein de témoignages, plein d'histoires même, où on a vu des gens quitter l'Europe, venir en Afrique, arriver là-bas, les amis les empoisonner. Ils ne sont plus retournés. C'est une chose qui existe. Vraiment, que Dieu vous permette de voir tout ce que vous ne pouvez pas voir.